Bonsoir, très heureuse de vous retrouver. On est ensemble en direct jusqu'à 21h pour toute l'actualité de ce jeudi 6 juin avec toute l'équipe. Émilie, Pierre, Patrick, Mohamed et Laurent, salut à tous les cinq. Bonsoir, Mohamed. Émilie, votre choix de l'actu ce soir. La France qui est en alerte rouge aux allergies, au pollen. Aucun département, sauf le Finistère, n'est épargné. Un Français sur trois est allergique, dont moi, et j'en peux plus. Ah bon? Ouais, j'en peux plus, j'ai envie de m'arracher le nez. Au revoir. Vous arrachez le nez? Ouais. Alors, on va voir avec le docteur Nyan Famti si c'est raisonnable. Il est médecin pédiatre et allergologue à Paris. Il sera dans un instant sur notre plateau. Mohamed, votre story. Un Russe arrêté sur notre territoire pour tentative d'attentat. L'ambassade française à Moscou visée par des menaces et un ressortissant français arrêté cet après-midi à Moscou pour espionnage. Les tensions entre les deux pays se sont accentuées. Patrick, votre édito. Je vous parle de proximité ou de collision entre débarquement et élection, entre commémoration et scrutin européen. C'est pas la première fois, ça arrive à peu près tous les 10 ans. Et pourtant, ça fait grogner les oppositions. On en parle avec nos deux invités, le grand reporter à l'opinion en charge de l'Élysée, François-Xavier Bourmont, bonsoir. Bonsoir. Et à vos côtés ce soir, Thomas Legrand, éditorialiste à Libération. Merci à tous les deux de votre présence ce soir. Laurent, dans le 5 sur 5. On va vivre les dernières heures de la flamme olympique dans l'Hexagone. Elle s'en va demain, mais elle va revenir, vous inquiétez pas. Ah oui, donc c'est pas les dernières heures. Dans l'Hexagone. Provisoirement. Tiens votre œil. Il faut sauver le soldat Ryan, le film de Spielberg avec Tom Hanks, ressort aujourd'hui en salle. Même si vous l'avez déjà vu dans votre canapé bien douillet, il mérite vraiment le grand écran. Et je vous en reparle tout à l'heure. Et Tom Hanks qui explique que c'était son premier film d'action. Exactement. Lorsqu'il a tourné dans... Il faut sauver le soldat Ryan. Nos invités après 20h, Marjane Satrapi, qu'on adore, qui réalise son 6e film, qui sera en salle mercredi prochain. Elle a demandé à Monica Bellucci d'y incarner une cantatrice déchue dont la mort est annoncée par erreur et qui attend fébrilement des hommages dans la presse qui ne viendront jamais. Voilà, c'est un film qui parle de la mort, mais pour mieux en rire et pour mieux la relativiser. Elles seront nos invitées toutes les deux. On est ravis de recevoir Simonetta Greggio, qui est l'auteur d'une biographie Greggio, à l'italienne, qui est l'auteur d'une biographie fictive de Brigitte Bardot. Et puis Emma Peters est une auteure, compositrice, interprète qu'on adore également. Elle sort son 2e album, ça s'appelle Tout de suite, et elle nous en interprétera un extrait tout à l'heure sur le plateau de C'est à vous. Le dîner ce soir est préparé par Johan Noël, le chef de l'hôtel de la plage Sainte-Anne-la-Palue. C'est magnifique et c'est dans le Finistère, c'est le seul département qui est épargné par l'alerte au pollen. C'est une bonne nouvelle, chef, n'est-ce pas Bertrand? Oui, non. Pardon? Bon, c'est pas grave, enchaîne. Oui, déjà plus de 2 millions de vues pour l'édito pollen d'Émilie, qui merci. Est en tété monde. Bravo, Émilie. Au menu du soir, je m'attendais à des cannelloni, puisque je sais que c'est un des plats préférés de Monica Bellucci, mais alors pas du tout, chef. Non, mais par contre, on va se rapprocher un petit peu, puisqu'on va partir un petit peu sur un pesto, mais un peu spécial, avec de la langoustine. Donc voilà, on va y aller tout en fraîcheur. Allons-y. Tout en fraîcheur. Bonne émission, ma bête. Merci beaucoup à tous les deux. À tout à l'heure. Dans un instant, l'édito de Patrick Cohen. Mais tout de suite, retour avec vous, Laurent, sur les images marquantes de cette journée historique. Oui, les cérémonies ont commencé à l'aube, comme il y a 80 ans, avec une reconstitution du débarquement sur Utah Beach. Avant une première cérémonie ce matin, cimetière britannique de Vers-sur-Mer, en présence du roi Charles III, il a revêtu l'uniforme de commandant en chef des forces armées du Royaume-Uni. Nous ne manquerons jamais de rendre hommage au courage et au sacrifice incroyable des hommes et des femmes de la résistance française. Parmi les images de la matinée, Brigitte Macron et la reine Camilla qui saluent ensemble les vétérans britanniques et l'émotion de Tom Jones. From the sweat of your brow. Et l'émotion aussi des vétérans qui écoutent le chanteur gallois. Autre génération au cimetière canadien cette fois. Justin Trudeau, Gabriel Attal et le prince de Galles, William. Interpellé par un vétéran, il s'inquiète pour Kate, atteinte d'un cancer. Salué pour le réalisme du film Le Soldat Ryan, on en parlait. Steven Spielberg, Tom Hanks assistent eux à la cérémonie franco-américaine. I will always have faith that the United States of America and the Western societies that have adopted more or less the same sort of democracy cannot help but turn towards what is right. Au cimetière de Colville, c'est 9388 croix blanches. La tradition, c'est de remplir les inscriptions du sable d'Omaha Beach. Aujourd'hui, les quelques dizaines de vétérans sont aussi célébrés par les plus jeunes. Les soldats américains, canadiens et tout, et ils sont venus, il y en a qui sont tués pour nous. Du coup, bah, c'est normal de fêter ça pour eux, pour leur rendre hommage aussi.
Je sens une amitié, quelque chose qu'on a perdu depuis longtemps. S'il n'y avait pas le débarquement, je ne serais pas en vie. Joe Biden et Emmanuel Macron, les deux présidents, survolés par les Dakota, ces avions de parachutistes. Emmanuel Macron a rendu hommage aux soldats américains. La grandeur d'un peuple prêt à mourir sur un sol qui n'est pas le sien, pour une cause qui est la sienne. 11 de ces vétérans américains ont ensuite été distingués par le chef de l'État. Au nom de la République française, nous vous faisons chevalier de la Légion d'honneur. Et après avoir reçu les honneurs de la République française, c'est leur président Joe Biden qui a pris la parole. Il a ouvertement évoqué la guerre en Europe 80 ans après le D-Day. And make no mistake, the autocrats of the world are watching closely to see what happens in Ukraine. We cannot let that happen. To surrender to bullies, to bow down to dictators is simply unthinkable. 21 coups de canon pour clore ce discours avant l'apparition des 25 dirigeants invités par la France, accueillis les uns après les autres, notamment l'Allemand Olaf Scholz, mais surtout le président ukrainien Volodymyr Zelensky, invité quand son agresseur Vladimir Poutine est lui banni des cérémonies. Le chant des partisans, l'hymne de la résistance française. Aujourd'hui, c'est l'Ukraine qui résiste. Mais Volodymyr Zelensky refuse de voler la vedette aux vétérans américains. À Omaha Beach, les alliés d'hier et d'aujourd'hui sont retrouvés. Le 6 juin est un jour sans fin. Le 6 juin est une aube sans cesse recommencée. Merci à tous. Vive la République et vive la France. Les commémorations du débarquement et les présidents de la République française, c'est l'objet de l'édito de Patrick Cohen. Le débarquement en Normandie a 80 ans, mais sa commémoration mondiale n'a débuté qu'il y a 40 ans. Oui, c'est avec François Mitterrand, en 84, qui a inventé ce format de cérémonie avec discours présidentiel sur les plages normandes et dirigeants alliés. Avant lui, et aussi étonnant que ça paraisse, le 6 juin ne faisait pas partie de l'agenda commémoratif français. Les gaullistes préféraient le 18 juin, les communistes français étaient attachés au 8 mai, jour de victoire, les soviétiques au 9 mai, les américains ont leur Memorial Day à la fin mai, et les allemands restent les bras ballant, jamais invité à rien parce que du mauvais côté de l'histoire, malgré la réconciliation et la construction européenne. Il n'y avait pas de cérémonie anniversaire avant 1984. Si chaque année, à l'initiative d'un comité du débarquement créé par le premier sous-préfet de la France libérée, Raymond Triboulet, mais avec des cérémonies sans éclat et presque sans état. De Gaulle, qui en 1944 avait été tenu à l'écart par le commandement allié et qui considérait que ce débarquement n'avait rien de français, a donc ignoré le 20e anniversaire en 64 et le 25e en 69. Il venait de quitter le pouvoir et arpenter l'Irlande. Pompidou est mort en 74, juste avant le 30e. Et Giscard, son successeur, entré à l'Élysée une semaine avant le 6 juin, envoyé en Normandie son ministre du Commerce. Seule exception, René Coty, normand et président, invité pour les 10 ans en 54. Seul, j'ai revu le discours tout à l'heure, seul au milieu des vétérans, Eisenhower, le général en chef du débarquement et pourtant président des États-Unis à ce moment-là, mais il ne délègue à Utah Beach qu'un ami ambassadeur, Cabot Lodge. Pour les 40 ans, en revanche, François Mitterrand fait venir en Normandie la reine Elisabeth et le président Reagan, mais il n'échappe pas aux polémiques. Oui, il y a deux polémiques à ce moment-là. D'abord, dans son hommage aux résistants, il ne cite pas De Gaulle, alors que le général figurait bien dans un premier projet de discours. Il a effacé De Gaulle en rage à l'imperfite dans un édito du Figaro. Aux cérémonies, les soviétiques sont absents. On est en pleine crise des euromissiles. Mais les Allemands non plus ne sont pas invités. Et là, c'est Simone Veil qui s'en désole. Je pense qu'il aurait fallu inviter Helmut Kohl. C'est cela, le sens de l'Europe. Simone Veil qui est alors en campagne. Mais oui, comme aujourd'hui, elle est la tête de liste RPR-UDF pour les européennes du 17 juin. 11 jours après la commémoration, parenthèse, elle fera 43% des voix, score inégalé à ce jour. Dans son discours du 6 juin, François Mitterrand lui répond, d'une certaine façon, avec cet hommage. L'ennemi de l'époque n'était pas l'Allemagne, mais le pouvoir, le système et l'idéologie qui s'étaient emparés d'elle. Saluons les morts allemands tombés dans ce combat.
Voilà, Mitterrand qui fait le distinguo entre les nazis et les Allemands. Et c'est pour compenser l'exclusion allemande que Mitterrand annonce une cérémonie à Douaumont en septembre qui sera le théâtre de l'historique poignée de main avec Helmut Kohl. Et pour les 50 ans en 94, les Allemands sont encore absents. Clinton est devenu président, Elisabeth est toujours reine, Helmut Kohl encore chancelier. Kohl qui cette fois s'étonne de ne pas être convié aux cérémonies. Mais l'ancien ministre Louis Mexando juge alors impensable une invitation de l'Allemagne au même rang que les autres nations. Objections qui tomberont 10 ans plus tard, en 2004, avec Jacques Chirac et Gerhard Schröder. Et en 94, c'est à nouveau une campagne européenne. Ben oui, on est en fin de campagne. Les élections ont lieu le 12 juin. Il y a deux listes souverainistes très anti-européennes qui occupent le terrain. Celle de Philippe de Villiers, 12%, et celle de Jean-Marie Le Pen. Et voici ce que Mitterrand glisse en fin de discours, à 6 jours du scrutin. Tirons-en la leçon. Et d'abord, pour nous-mêmes, l'Europe sauvée ne pouvait être qu'une autre Europe. 340 millions d'Européens en attendant les autres se sont dotés de lois communes. Un conflit armé est devenu entre eux inconcevable. 340 millions en attendant les autres. Nous sommes aujourd'hui 450 millions. Il y a enfin des oubliés dans ces discours. Les Normands, les victimes civiles, jamais mentionnées, toujours éloignées des commémorations. Et là, il a fallu attendre les 70 ans, en 2014, avec François Hollande, pour un premier hommage national rendu aux victimes civiles, au mémorial de Caen. Et on a vu que Madame cette année, Macron. Effectivement, ces victimes civiles sont... placé très au centre de ces commémorations. Rien que pour commémorer le débarquement du 6 juin, 7 discours d'Emmanuel Macron sont prévus, en plus de l'interview télévisée de ce soir. C'est important aussi pour le plus jeune président de la Ve République de prendre du poids politique, de s'inscrire dans l'histoire de France, d'abord, avant d'en venir au contexte électoral. Oui, et puis il faut quand même aussi remarquer que l'histoire du XXe siècle a tendance à se concentrer sur le mandat d'Emmanuel Macron. Là, on est sur le 80e anniversaire du débarquement, mais en 2018, il y avait le 100e anniversaire de la fin de la Première Guerre mondiale. Et quand on cherche bien, au-delà des commémorations, il y a aussi beaucoup de dates de l'histoire politique qui viennent percuter son mandat. Il y a eu le 30e anniversaire de l'élection de François Mitterrand, le 50e anniversaire de l'élection de Pompidou. Enfin, quand on pioche comme ça... On les trouve, alors, on les cherche. Parce que... Oui, parce que... Il les cherche, Emmanuel Macron. Oui, bien sûr. C'est au risque de paraître en faire trop. Oui, de paraître un peu envahissant. Moi, ce que je trouve intéressant dans ce que vient de rappeler Patrick, c'est que ça montre l'évolution, le temps que met l'histoire pour arriver à une vérité, quand même. Là, on arrive sur le D-Day à une vérité historique, et puis tout le monde est. Et on rend hommage à tout le monde, que ce soit les victimes, même les soldats allemands. Voilà. Il y a des étapes. J'ai une petite anecdote sur 1984. Il y a un collaborateur de François Mitterrand qui a vu le texte du discours de Ronald Reagan. Vous savez que Ronald Reagan était acteur. Il a vu le texte avant. Et il y avait une petite larme qui était dessinée à un moment. Pleurer au bon moment. Et il a regardé. Et au moment où il y avait de la larme, il a vu Ronald Reagan déglutir, lever la tête et verser une larme. Et c'est un acteur. Voilà. C'est une petite anecdote. C'est amusant. Ça peut valoir pour des hommes politiques qui n'ont pas été acteurs aussi. Oui, mais là, il a réussi à pleurer, à verser la petite larme quand il fallait. Si Emmanuel Macron multiplie justement ses cérémonies mémorielles, peut-être plus encore que ses prédécesseurs, c'est parce qu'aussi, il y a un besoin d'unification d'un pays plus divisé que jamais. Il y a ça. Il y a d'abord un besoin pour lui... d'incarner, c'est marrant, c'est quand même inversement proportionnel. La légitimité du général de Gaulle, c'est l'histoire. C'est deux fois l'histoire. En gros, il a sauvé la France deux fois lui-même, avec la guerre, avec la guerre d'Algérie et la guerre de 40. Il n'a pas besoin d'en rajouter pour incarner ça. Le pauvre Emmanuel Macron, c'est pas sa faute. Il est né après toutes les guerres, après même le service militaire. Pour incarner, il faut qu'il en rajoute quand même du régalien. Et puis, alors c'est vrai que... Avec demain, un discours à Bayeux. Oui, à Bayeux. Alors, Bayeux le symbolique discours du général de Gaulle. Le général de Gaulle, en 1946, qui pose les bases de la Ve République. C'est Bayeux, c'est le discours qui...
En 1946, où général de Gaulle explique qu'il faut critique la quatrième République naissante. C'est la matrice de notre constitution et explique ce qu'il faut, voilà, avec même l'élection présidentielle au suffrage universel qui est évoquée. Bon, ces cérémonies du débarquement, elles sont préparées depuis très 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 longtemps par l'Élysée. On y pense et on se dit que ces commémorations créent une atmosphère. Oui. Qu'est-ce que l'Élysée entend par là ? Alors, c'est un rendez-vous qui est une case qui a été cochée depuis très longtemps sur l'agenda d'Emmanuel Macron. Il se trouve que ça coïncide effectivement avec les élections européennes. L'idée au départ, bon, bah c'est un peu tarte à la crème, mais vous commémorez le débarquement, vous parlez de la guerre, l'Europe qui vit en paix depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, vous parlez de la menace du régime nazi, tout ça, et donc mécaniquement, s'il y a une élection européenne derrière avec un rassemblement national qui est fort, ça entre automatiquement en résonance. Donc le rendez-vous de ces trois jours avant l'élection présidentielle avait été identifié, vu et coché depuis très très longtemps. Sans anticiper les intentions de vote assez catastrophiques pour la liste Renaissance ou en les anticipant ? Non, sans les anticiper, ouais. Parce que ce n'était pas du tout le scénario qui était écrit avant. Dans son discours de vœux aux Français le 31 décembre, Emmanuel Macron identifie quatre dates pour 2024, il y a le 80e anniversaire du débarquement, il y a ensuite les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris, il y a le sommet de la francophonie à Villers-Cotterêts en octobre, et puis il y a la réouverture de Notre-Dame. Et donc ces quatre rendez-vous, c'est des moments où la France va être exposée au regard du monde. Et donc il voulait en faire une année des fiertés françaises. Il n'imaginait sans doute pas arriver dans cet état-là, disons aussi bas dans les sondages, à la veille des élections européennes, mais... Il n'y a pas de mal à vouloir essayer de faire coïncider l'agenda politique avec l'histoire de France. Le problème, c'est quand ça marche dans l'autre sens. Quand il essaye de faire coïncider l'histoire de France avec son agenda politique. Ça, il l'a essayé une fois, ça n'a pas du tout marché. C'était quand ? C'était en 2020. Il a voulu commémorer le 150e anniversaire de la déclaration de la Troisième République. C'est pointu, ça. Ouais. Et ouais. Il a fait un discours au Panthéon. Qui est passé un peu inaperçu, parce que la date en elle-même, 150 ans, c'est ni rond, c'est un peu rond. La Troisième République a commencé en 5 ans, on pouvait faire 12 dates. Il y avait une intention politique derrière qui était de préparer le terrain pour la loi sur le séparatisme, contre le séparatisme. Et donc en tenant ce discours et en rappelant que la Troisième République avait permis de rassembler le pays, il y avait cette idée-là. Donc utiliser son agenda politique et l'histoire de France, c'est toujours un petit peu risqué. Est-ce qu'ils aiment bien, les présidents et les hommes politiques en général, dans un monde hyper médiatisé où ils sont toujours surpris par l'actualité, où l'actualité remplit leur agenda et où ils ne peuvent plus rien prévoir, c'est les commémorations, parce que ça se prévoit. C'est-à-dire que le 6 juin 40, c'était le 6 juin 40, ça ne bouge pas. Donc ils peuvent prévoir... 44. 18 juin 40, 6 juin 44. Ils peuvent prévoir. Donc là, c'est quand même pratique. On peut organiser, on peut faire une belle mise en scène, on peut passer à la télé toute l'après-midi. Pour qu'il y ait un breaking news qui coupe ça sur les chaînes info, il faudrait vraiment qu'il y ait une... Pour avoir vu les commémorations du passé, en 64, c'est la première année où il y a l'Eurovision pour les commémorations. Donc c'est diffusé partout. Donc il y a une après-midi entière avec Léon Zitrone à la plage. Hein, donc, je vous le dis, voilà. Donc c'est pas plus une invention. C'est Emmanuel Macron du matin jusqu'au soir, puisque le président m'a donné une interview sur TF1 et France 2. Et ça, c'est plus problématique. En direct de Caen. Y compris pour y glisser des messages. Et évidemment, ça fait réagir les candidats à l'élection européenne qui accusent le président de débarquer littéralement dans cette campagne. C'est un moment de communion qui, d'ailleurs, malheureusement, est exploité par le président de la République pour faire une tirade sur les européennes à 3 jours du vote. Mais Yves Calvi, dans aucune autre démocratie européenne, chez aucun de nos voisins, cette situation pourrait se produire. Permettez-moi de dire que quand même la ficelle est un peu grosse à 2 jours des élections européennes. On a le président de la République qui s'invite en prime time de l'ensemble des télés et radios ce jeudi soir. On peut quand même s'interroger sur le timing. Le timing interroge. C'est toujours bon que le président de la République s'exprime. Maintenant, la question, c'est s'exprimer pour dire quoi ? Dans cette campagne européenne, si vous voulez, moi, ce que je déplore, c'est que Emmanuel Macron a utilisé... un peu de manière excessive, et je trouve un peu indigne le conflit entre l'Ukraine et la Russie pour faire campagne. C'est de bonne guerre de la part des oppositions de s'indigner ou c'est carrément légitime selon vous, Thomas Legrand ? C'est les deux, je trouve que c'est plutôt légitime. En fait,
Moi, c'est un peu, ça fait long. Patrick, pendant des années, a présenté la matinale de France Inter. Je faisais l'édito. On a pratiqué à peu près 3 présidents, je crois, ensemble. Et c'était un édito assez régulier. Dès que le président allait à la télé, on est quand même le seul pays. Et là, Raphaël Glucksmann a raison. On est le seul pays où le président peut s'inviter, peut organiser. Vous en avez été, j'allais dire victime. Peut organiser l'émission comme il veut, quasiment la réaliser. Négocier et ça ne s'arrange pas parce qu'avec la concurrence des télévisions, tout le monde est prêt à tout céder. Oui, si on ne le fait pas, il ira ailleurs. Ouais, il ira ailleurs, il le fera. C'est la... Bon, il n'a pas réalisé ses avoues en direct de l'Élysée. C'est l'argument du marchand d'armes, ce n'est pas moi qui le vends, c'est ses voisins. Donc, il n'a pas réalisé, mais enfin bon, il a choisi tout, le décor, tout non, ça. Non, bon, non, ce n'est pas tout à fait vrai, Thomas. Il a négocié, mais c'est normal que vous disiez ça. Je le dirai aussi. Non, mais je peux le dire aussi. Non, ce n'est pas la vérité, Thomas. Le grand. Non. Après, on a discuté avec lui des thèmes. C'est normal. On a été conviés à venir à l'Élysée, mais il était président, alors que quand il était candidat président, il était venu sur plateau de Cédavou. Je pense que s'il avait pu tout décider, on n'aurait pas passé autant de temps sur l'immigration, sur la loi immigration. Oui, avouez que merci d'avoir accepté notre invitation, monsieur le président. Ce qui est dit à chaque début de. Je vous ai remercié d'avoir accepté notre invitation. Oui, mais moi, je vous ai pas téléphoné ce matin en disant je ferais bien votre émission ce soir. François-Xavier. Et ça, ça se passe par ailleurs. Hein. Ça, c'est vrai. Par ailleurs. Les correspondants. Vous pensez qu'aux États-Unis, si le président Biden s'invite dans un talk-show, on va lui dire non merci. Avait Thomas Legrand et François-Xavier Gourmand. Et il le fait pas. Il peut le faire exceptionnellement, mais il le fait pas s'il a rien à dire de spécial. S'il arrive dans un talk-show rien comme ça, sans avoir un truc particulier à dire, on lui dira et alors pourquoi vous êtes là. Et partout ailleurs, ce sont, et les correspondants, invitez-les, les correspondants des autres pays européens, partout ailleurs, ce sont même, la plupart du temps, les organisations professionnelles des journalistes qui organisent les conférences de presse. Oui, mais il y a des régimes politiques moins verticaux qu'en France, c'est aussi, d'ailleurs, c'est la différence. Hein. Le nôtre est totalement vertical. Et moi, je pensais qu'un président comme ça, au début, moderne, changerait la pratique. En fait, il est... Pour revenir sur la polémique, en fait, sur la prise de parole de Macron. Madame Macron. On est dans une chorégraphie de fin de campagne qui est tout à fait organisée. Il y a rien de surprenant. Le président de la République tire toutes les cartouches qui lui restent. C'est la dernière. Il tente le coup de l'interview. Les oppositions s'offusquent. C'est tout à fait ordinaire. Faut sans doute regarder ce qu'Emmanuel Macron en attend de cette interview, parce que il vient pas pour faire basculer ou pour aller convaincre des électeurs. L'enjeu pour lui, c'est de rapatrier tous les électeurs déçus du macronisme. En gros, il a un socle électoral qui tourne autour de 21-22% à peu près. Là, les sondages disent qu'il devrait faire 15. Il en manque. Et cette émission ce soir, c'est pour aller les chercher, c'est rien de... Ça peut marcher, ça peut être efficace, une interview qui peut... Les avis sont partagés, même au sein de l'exécutif. Il y en a qui disent que ça peut faire bouger 1 à 2 points. C'est pas énorme, mais au bout du compte, ça peut changer... On va bien changer. Savoir comment ils ont établi ça, d'ailleurs. Non, mais c'est au doigt mouillé, sans doute. Oui. Mais au bout du compte, ça peut changer la lecture finale du scrutin si ça bouge. C'est-à-dire, ce ne sera pas du tout la même chose dimanche soir s'il y a un rapport de force Renaissance-RN à 21-29 que s'il est tel qu'il est aujourd'hui dans les sondages à 15. Donc ça change la lecture du sondage et ça transforme... 1-2 points de plus ou de moins aussi, ça peut peut-être agacer les Français. Ça marche aussi dans l'autre sens. L'enjeu, c'est de transformer une grosse claque annoncée en petite claque. Voilà. Thomas, non, il prend un risque aussi, il peut perdre des points. Peut-être, je ne sais pas s'il peut perdre des points. Je pense que ça ne bougera pas. Il ne peut pas les énerver, ça fera penser... Je pense qu'il perd des points. Il perd des points en ce moment. Il a perdu des points sur son flanc gauche. Raphaël Glucksmann, avec son positionnement assez libéral de gauche et sur les affaires étrangères assez atlantiste, on peut imaginer qu'un discours d'Emmanuel Macron ce soir sur la liberté, sur les démocraties, sur... Contre les dictatures et contre la Russie, il va y avoir un peu de ça. Ça peut, se dit-il, mordre un peu sur le discours de Raphaël Glucksmann, mais je ne vois pas ce qui peut faire changer grand-chose. J'espère que le journaliste qui l'interviewera, l'un des journalistes lui demandera, en fait, qu'est-ce que vous êtes venu, pourquoi aujourd'hui, qu'est-ce que vous êtes venu nous dire de particulier qui nécessite que vous soyez déplacé. Parce que si c'est pour nous faire un cours d'histoire,
On aurait invité un prof. Hein. Non, puis je vous disais qu'il y en avait au sein de l'exécutif qui disait que ça pouvait faire bouger. France Inter, on l'aurait invité aussi, vous inquiétez pas. Et on aurait dit merci. Vous l'auriez posé cette question-là. Et on aurait dit. Bah, il se trouve que je pense pas que je. Mais enfin, on aurait dit merci d'avoir accepté notre invitation, je vous rassure. C'était pas une attaque contre vous. Non, tout va bien. Pierre a une dernière question. Oui, à l'automne, la politique va revenir à grands pas parce qu'il y aura par exemple le débat budgétaire. Là, la politique va rattraper l'histoire, vite fait. Ah ben. Il y a encore 3 budgets à faire passer sans avoir les moyens de le voter. Alors ça, c'est... Moi, on en reparlera après l'élection, parce qu'on va voir les résultats, mais effectivement, il y a un nouveau rapport de force politique qui va naître de ces élections. Visiblement, si les sondages, qui sont assez stables depuis longtemps, donnent le bon ordre d'arrivée à peu près, en tout cas les bons ordres de grandeur... heureusement, la Ve République, issue du discours de Bayeux, donne toutes les armes possibles au chef de l'État qui veut être vertical et Emmanuel Macron veut l'être, pour pouvoir continuer à faire comme si de rien n'était. Mais bon, comme si de rien n'était pendant 3 ans, oui, institutionnellement possible, politiquement problématique selon moi. Non, d'ailleurs, Emmanuel Macron cherche la martingale pour se sortir de ce guépier, là où il est sous la menace d'une motion de censure. Donc, on entend un peu parler de tout sur l'après 9 juin. Donc, remaniement, dissolution, enfin, toutes les référendums, toutes les pistes qui circulent d'habitude. Mais pour l'instant, ce qui semble dominer pour le 10 juin, c'est la tentation du rien. C'est-à-dire temporiser, rien faire et attendre que ça passe en attendant le début de l'Euro de football et les Jeux Olympiques. Le rien, le rien est toujours tentant. Hein, dans... oui. La tentation du rien. C'est une bonne stratégie, ça, la tentation du rien. En tout cas, en attendant la rentrée prochaine. Ça, c'est une certitude. Merci beaucoup à tous les deux. Vous restez avec nous. Je rappelle que l'opinion mettait à sa une ce matin d'idées unies l'Occident débarque en Normandie. Et puis que Thomas, vous êtes éditorialiste à Libération et sur France Inter avec une émission hebdomadaire. Enquête de politique. Et ouais, à 18h10 tous les samedis. Merci d'avoir accepté, monsieur Thomas Legrand, notre invitation. Vous restez tous les deux avec nous ce soir. Avec nous un instant, le temps de la story de Mohamed Bouefsi. Et je vous libère après, François Xavier. Les autorités françaises, Mohamed, sur les dents après des menaces de sabotage de la Russie. Oui, lundi, en fin d'après-midi, un ressortissant russo-ukrainien de 26 ans était placé en garde à vue par la Direction générale de la Sécurité intérieure. Ce suspect avait combattu pour la Russie dans le Donbass. Il a été pris en charge par les pompiers avec des graves brûlures après une explosion dans sa chambre près de l'aéroport de Roissy-Charles-de-Gaulle. Les gendarmes découvrent des faux papiers et du matériel destiné à la fabrication d'engins explosifs. Les services de renseignement français craignent désormais des attaques soutenu par la Russie sur le sol européen. La France a décidé, maintenant depuis à peu près un an, de prendre la menace russe au sérieux, a décidé véritablement de répliquer et de s'engager beaucoup plus fortement en Ukraine. Et c'est pour ça, bien sûr, que les attaques de tout genre contre la France, aussi bien des attaques verbales que potentiellement un certain nombre d'attaques beaucoup plus déstabilisantes, sinon terroristes, sont aujourd'hui lancées, ou en tout cas largement annoncées par la Russie de Poutine. Comme en France, des sabotages pour le compte de la Russie ont eu lieu en Pologne, en Lituanie, au Royaume-Uni et en République tchèque ces dernières semaines. À la mi-journée, des menaces visant à dissuader la France à agir contre la Russie en Ukraine ont été inscrites sur des affiches placardées en face de l'ambassade française à Moscou. Et sur Internet, la Russie en arrive même à créer un faux film de 9 minutes 30 avec Tom Cruise pour dénigrer les Jeux Olympiques. Ah bon ? Everyone. It's me, Tom Cruise, the actor. Corruption had been slowly slithering its way into all the corners of the International Olympic Committee. Cette vidéo est complètement fausse. Elle a été générée avec de l'intelligence artificielle. Elle circule sur les boucles Telegram et elle est relayée par des centaines de bots en Europe. Ce qui fait que la vision de cette vidéo a touché plus de 500 000 personnes ces dernières heures. Et à Moscou, ne compte pas s'arrêter là avec une seule ambition cet été, viser la France. C'est le patron de Microsoft qui l'annonce. I think if anything, our biggest concern, to be honest, is about the Russian government. And we've been monitoring that closely, and we've seen an increase in Russian activity using deep fakes. But in recent months, it has not been as focused on these elections as what we're seeing right now, for example, with a focus on the Paris Olympics. Ces menaces et ces risques de sabotage sur notre sol ont poussé le Premier ministre Gabriel Attal à réagir ce matin.
Je le dis, ces ingérences, ça peut être notre nouvelle guerre mondiale. Parce qu'en plus, ce sont des manipulations qui viennent de l'extérieur, mais qui cherchent à nous diviser Est-ce que de ça l'intérieur. Veut dire qu'avant... Ces ingérences, c'est un poison. C'est un poison qui cherche à manipuler l'opinion publique, qui cherche à nous diviser, qui cherche à atteindre à notre sécurité avec une nouvelle forme, une forme hybride. Il faut évidemment se battre pour les éviter et on sera plus fort, je crois, plus unis avec les autres pour se battre face à cela. Mais depuis quelques heures, une autre information irrite Moscou. Une possible annonce commune d'Emmanuel Macron et Volodymyr Zelensky demain. L'hypothèse de l'envoi de soldats instructeurs occidentaux en Ukraine. Réplique immédiate et violente de Sergueï Lavrov en tournée en Afrique. Вопрос о французских инструкторах. У меня есть основания полагать, на сей счет немало конкретных фактов, что они на Украине уже работают. Не значились военнослужащими вооруженных сил Франции или являлись бы просто наемниками. Они представляют собой абсолютно законную цель для наших вооруженных сил. Владимир Путин, lui, est allé encore plus loin en menaçant directement les pays occidentaux et implicitement. La France. Что если кто-то считает возможным поставлять такое оружие в зону боевых действий для нанесения ударов по нашей территории и создания проблем для нас, то почему у нас нет права поставлять наше оружие такого же класса в те регионы мира, где будут наноситься удары по чувствительным объектам тех стран, которые делают это в отношении России? Cet après-midi, la Russie a annoncé l'arrestation d'un universitaire français soupçonné d'espionnage en rapport avec les activités militaires russes. Des accusations passibles d'une peine pouvant aller jusqu'à 5 ans de prison en Russie. Thomas Legrand, Gabriel Attal a raison d'évoquer une possible troisième guerre mondiale. Je ne sais pas si le terme n'est pas trop fort, mais je pense qu'il a raison d'être très inquiet quand on voit... Parce qu'on ne chope que les pieds nickelés. Hein. Ceux qui ont peint les mains rouges sur le mémorial de la Shoah, ceux qui ont peint les étoiles de David Bleu, tout ça pour nous diviser. Vous savez, c'est la théorie du fil de fer de Giuliano D'Ampoli dans Les Ingénieurs du Chaos. Il faut tordre la société, il faut mettre instiller du poison dans la société pour nous diviser. Il y a des relais en France. CNews, par exemple, est un relais volontaire ou pas. En tout cas, dès qu'il y a par exemple, les mains rouges ou les étoiles de David, ils n'ont pas du tout fait d'enquête. CNews n'est pas une chaîne de journalistes, c'est pas une chaîne d'infos, c'est une chaîne de polémistes. Et ils n'ont pas fait d'enquête et ils ont relayé toutes les manips russes. Donc, le poison est là et je pense que le Premier ministre a raison. Et nous, on doit faire attention aussi, par exemple, sur les réseaux sociaux. Dès qu'on participe ou dès qu'on participe, oui, à un clash un peu dur, eh ben, il y a des bots, c'est-à-dire des robots multiplicateurs qui peuvent prendre le relais, tout simplement pour nous diviser, pour faire croire qu'on est à feu et à sang. Et le débat public est, je trouve, beaucoup plus polarisé, beaucoup plus violent que la réalité des rapports sociaux en France. Mais il ne faudrait pas que les rapports sociaux en France deviennent à l'image du débat public. Et c'est ce que veulent faire les Russes. François-Xavier Bourmont, une réflexion pour conclure sur ce thème. Oui, il y a l'Ukraine, ce n'est pas le seul point de tension dans le monde, et c'est sans doute ce qui fait dire ça au Premier ministre. Il y a des tensions très fortes entre la Chine et les États-Unis qui, pour l'instant, sont commerciales, mais dont on voit bien qu'elles inquiètent tout le monde. Et guerre mondiale, donc c'est pas que en Europe, c'est aussi sur l'ensemble du globe. Donc je pense que c'est aussi à ça qu'il fait référence. Gabriel Attal, merci beaucoup d'être venu ce soir. Je rappelle que vous êtes grand reporter à l'Opinion en charge de l'Élysée. Je vous libère parce que vous devez aller écouter le président Macron. Voilà. Qui s'exprime à partir de 20h, mais C'est à vous sera toujours en direct pendant ce temps, jusqu'à 21h. Thomas Legrand, on vous garde et on va parler de la France en alerte rouge, allergie selon le réseau national de surveillance de l'aérobiologie. Tous les départements sont concernés, Émilie l'a rappelé, à l'exception du Finistère. Partout ailleurs, la douceur des températures et un temps sec après un mois de mai pluvieux favorisent la propagation du pollen, auquel un Français sur trois est allergique, avec à la clé éternuement, nez qui coule, qu'on souhaite arracher, yeux qui piquent, gorge qui gratte. Constat confirmé dans les rues de Paris par Benjamin Delmas et Salomé Delatte pour C'est à vous. J'ai le nez, les yeux qui picotent et le nez qui coule un tout petit peu. Ça me provoque des quintes de toux,
jusqu'à parfois en vomir. J'ai des plaques d'urticaire. Les yeux, ça devient très rouge, ça gratte. Le nez aussi qui coule. Enfin, c'est horrible en fait. Et ça m'a aussi provoqué de l'asthme. Ça s'est accentué depuis ces derniers mois même. J'ai pas trop d'assistes. Chaque année, je subis. Je prends un antihistaminique tous les jours. Je prends des médicaments. Enfin, j'ai toujours des gouttes sur moi ou quoi pour les yeux. Il y a pas beaucoup d'astuces, hein, malheureusement. Quand c'est dans l'air, il y a pas beaucoup d'astuces. Qui est allergique autour de la table. Bonsoir, docteur Niam Famti, médecin pédiatre allergologue à Paris. On est ravis que vous soyez là, que votre cabinet, j'imagine, ne désemplit pas. Vous n'avez quand même pas abandonné des patients pour venir nous voir ce soir. Il y en a 40 dehors qui... qui éternuent. Comment est-ce qu'on explique ce pic que vit toute la France, que les symptômes soient soudains et si forts? En fait, on constate que les concentrations de pollen augmentent chaque année, probablement dû au réchauffement climatique. Donc ça, c'est une donnée de plus en plus sûre. Et donc chaque année, on a actuellement sur les pollens de graminées. Donc on a beaucoup, beaucoup. Vous avez vu, la carte est rouge et ça va durer encore quelques semaines. Donc ça, c'est le premier phénomène, un phénomène environnemental. Premièrement, la concentration et deuxièmement, probablement des effets de la pollution atmosphérique qui vient aggraver les symptômes au niveau des villes et puis pas que dans les villes aussi. Est-ce qu'il y a des pollens plus ou moins allergisants, ce qui expliquerait que certaines régions soient plus impactées que d'autres? Alors là, vous inquiétez pas, la partie jaune, elle va être vite recouvrée. Le Finistère, ils ont un petit sursis, mais ça va arriver chez eux aussi. Il n'y a pas d'exception, en fait. Hein. C'est un nuage qui est vraiment européen, tout le monde est concerné. Et là, actuellement, sont les pollens de graminées. Les graminées sont les hautes herbes, hein. C'est la pelouse qu'il y a partout. C'est la première plante sur la planète qui va libérer son pollen à partir du mois d'avril-mai. C'est de plus en plus tôt. On a un élargissement, en fait, hein, de la saison à cause du réchauffement. Et puis, on a des pics. Là, avec les pluies, ça se tasse un petit peu. Mais ça, entre guillemets, recharge les plantes. Et hop, ça repart. On est parti jusqu'au mois de juin-juillet. Si on a l'impression que c'est beaucoup plus fort, que le phénomène est plus important aujourd'hui qu'il y a 5, 10, 15, 20 ans, etc., c'est dû uniquement au réchauffement ou il y a d'autres phénomènes qui jouent? Alors, ça, ce sont des facteurs externes et puis il y a des facteurs qui sont internes à nous. Donc, c'est-à-dire qu'on pense que les pollutions jouent, les particules fines, ultra fines, viennent modifier notre réactivité. Notre système immunitaire perd ses pédales, en fait. Hein. Dans les grandes villes, l'air est moins pollué aujourd'hui qu'il y a 40 ans, par exemple. On a une pollution qui est différente. On a plus de particules fines et ultra fines. On a moins de grosses particules, mais la pollution est différente. Ah bon. Ça, c'est pas tout à fait vrai. Et puis, ça a changé aussi depuis la pandémie du Covid. Alors, c'est ce qu'on a constaté. J'ai fait une enquête auprès d'une centaine de collègues sur toute la France. Et on a constaté qu'il y a une augmentation des demandes, il y a une augmentation des cas, il y a une augmentation des cas sévères. On a plus d'asthme, on a plus de symptômes plus sévères au niveau du nez, des yeux. Les gens sont plus gênés. Il y a un appel aux soins qui est vraiment augmenté. Et en fait, l'autre phénomène, c'est que... Donc, on a parlé des pollutions et puis aussi de la perte de la biodiversité. Donc, on pense vraiment que notre système immunitaire qui est habitué à communiquer avec son environnement via la biodiversité, ben, perd un petit peu ses repères et, entre guillemets, se retourne un petit peu contre lui-même. Donc, ce défaut d'éducation du système immunitaire avec la biodiversité, les pollutions... L'augmentation du pollen fait que ça explose effectivement depuis l'après-Covid. Est-ce qu'il y a une relation avec le Covid? Non, ça, on ne sait pas. Mais ça correspond vraiment à l'aggravation. Donc typiquement, les patients qui arrivent nous disent bah, « depuis 3-4 ans, c'est l'enfer ». Au début, j'avais un peu les yeux qui grattent. Enfin, on l'entend d'ailleurs vraiment partout autour de nous. Et là, ça devient insupportable. C'est le mot qui revient en fait. Les conseils, il y a les antihistaminiques, certes, mais il y a aussi des conseils pratiques très simples, se rincer les cheveux, le nez, les yeux, aérer sa maison, ne pas étendre son linge dehors. C'est des conseils assez simples, mais qui peuvent vraiment soulager les symptômes. Exactement. Donc, on dit qu'il faut laver les surfaces, en fait. Hein, les surfaces, le nez, les yeux, les rincer, parce que le pollen, ça colle vraiment. Et puis, mettre du collyre, du spray nasal. Et puis, surtout... avoir un traitement d'urgence, des antihistaminiques en cas de crise. Et ce qui nous inquiète, c'est l'asthme. On a une augmentation des symptômes d'asthme. Surtout là, on a même des difficultés d'approvisionnement en médicaments, en ventoline, en salbutamol, donc qui sont en rupture dans certaines pharmacies. Donc,
vraiment faire attention quand on a de l'asthme, des signes respiratoires. Hein. Ça peut être dramatique. Avec des perspectives pas forcément réjouissantes, l'Organisation mondiale de la santé estime qu'en 2050, une personne sur deux sera allergique. On est vraiment face à un problème de santé publique. Et il n'y a pas assez d'allergologues en France. Oui, c'est ça. On n'a pas assez de jeunes collègues qui arrivent sur le marché, si je puis dire. Et puis, on n'arrivera pas à avoir tout le monde. Ça, ce n'est pas possible. Déjà, actuellement, c'est très compliqué. Donc, il y a des patients qui vont rester à la porte des cabinets. Quoi. Voilà, sans diagnostic précis. Parce que là, ce qui est intéressant, c'est de faire un diagnostic précis, savoir à quel pollen on réagit, quels autres facteurs pour améliorer la situation et éventuellement bénéficier d'une désensibilisation qui fonctionne bien. C'est-à-dire qu'on prend le pollen naturel et on va rééduquer le système immunitaire pour lui apprendre de la tolérance, c'est-à-dire lui dire... Le pollen qui arrive dans les voies respiratoires, le nez, les yeux, qui est considéré comme un ennemi en fait par le système immunitaire, on va lui dire non, en fait, ça se mange entre guillemets et du coup, il va diminuer cette réactivité. Donc, on arrive vraiment à améliorer les symptômes. Et après, c'est fini à vie quand on se fait désensibiliser. C'est comme beaucoup de choses dans la vie, c'est difficile de dire totalement, mais on arrive à diminuer beaucoup les symptômes et ça peut durer effectivement 5, 10, 20, toute sa vie. Enfin, ça dépend de beaucoup de facteurs si on prend bien le traitement aussi. Il y a un autre phénomène qui est lié au pollen et qui augmente le risque d'allergie, c'est l'asthme d'orage. Oui. C'est quoi l'asthme d'orage ? Ça, c'est un phénomène météorologique qu'on observait dans différents pays d'Europe, en Australie, etc. Et chaque année, ça fait la une de la presse parce qu'il y a des morts, en fait. C'est une espèce d'épidémie locale. Et on s'est rendu compte que juste au moment de l'orage, il y a une concentration phénoménale de pollen, de moisissures, de poussière, etc., qui remue et en fait est très concentrée à un endroit. Et les gens qui sont là, tout d'un coup, font des crises d'allergie, des crises d'asthme. Et on a un embouteillage au niveau des urgences. Donc chaque année, c'est dramatique. Donc ça commence à venir sur notre territoire. Les instances de santé sont au courant et donc essayent de diffuser cette information. Parce qu'il y a des orages aujourd'hui et demain. Donc il faut être particulièrement vigilant dans ces moments-là. Oui, si vous êtes un peu sensible, allergique, et vous avez un petit peu de soucis respiratoires, d'asthme, il ne faut pas sortir à ce moment-là, il faut faire attention. Ouais. Parce que les gens qui sont surpris, en fait, sont des gens qui ne sont pas si malades que ça, si atteints que ça. C'est-à-dire qu'ils sous-estiment probablement leur atteinte ou alors découvrent à ce moment-là qu'ils sont très sensibles. Ouais. Au-delà de l'allergie, je m'adresse aux pédiatres. On en parlait hier dans le 5 sur 5. La coqueluche est en recrudescence. Près de 5800 cas ont été diagnostiqués depuis janvier contre 495 l'an dernier. Plus que jamais, il faut rappeler l'importance de la vaccination. Oui, tout à fait. La vaccination est extrêmement importante pour les petits, pour l'entourage en fait, des enfants, les femmes enceintes, les gens qui peuvent transmettre, en fait, même sans savoir qu'ils transmettent, ou alors qu'ils ont des symptômes. Donc c'est très important de diagnostiquer, de vacciner, puis de consulter quand on a des symptômes qui persistent. Et le rappel à 25 ans. Exactement, donc ça c'est très très important. Merci. C'est quel vaccin, Président ? C'est le DT-Coq, c'est ça ? Voilà, c'est la coqueluche. Hein. Oui. Diphtharie, tétanos et coqueluche. Et souvent, c'est le rappel qui manque. Hein. C'est-à-dire que l'immunité, avec le temps, peut diminuer vraiment. Merci beaucoup, docteur, d'être venu ce soir sur le plateau de C'est à vous. Vous restez avec nous pour le 5 sur 5 de Laurent Sénéchal. Israël frappe une école de l'ONU dans la bande de Gaza. Oui, un bâtiment en feu dans la nuit. Avant la guerre, c'était effectivement une école gérée par l'ONU. Mais depuis le pogrom du 7 octobre et l'offensive israélienne qui a suivi, c'est censé être un lieu de refuge. Elle abritait d'ailleurs 6000 déplacés d'après l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés en Palestine quand elle a été touchée par Israël sans avertissement. La frappe a fait près de 40 morts, moins de deux semaines après les 45 morts et 250 blessés, cette fois dans un camp de réfugiés. Israël revendique une fois encore l'attaque, mais parle d'une frappe précise, je les cite, sur une base du Hamas située à l'intérieur de cette école. L'armée d'ailleurs se satisfait d'avoir tué plusieurs terroristes. Il est temps que cette guerre se termine, disait le président américain Joe Biden vendredi. Il demande d'ailleurs au Hamas d'accepter un plan israélien pour mettre fin à cette guerre à Gaza. Israël qui a aussi les yeux tournés vers le nord où il y a danger, le Liban. Et le Hezbollah, allié du régime iranien cette fois, qui a tiré des drones explosifs sur la Galilée israélienne, c'est ce qui a provoqué ces incendies. Le Premier ministre Benjamin Netanyahou promet une riposte. Hier, la terre a brûlé, et je suis heureux que vous l'ayez vu. Mais la terre a brûlé,
גם בלבנון. אנחנו ערוכים לפעולה מאוד עצימה בצפון. Ces échanges de frappes entre Israël et le sud Liban ont tué 450 personnes, surtout des combattants du Hezbollah, 90 civils aussi côté libanais, sur les 8 derniers mois. Thomas Legrand, on a l'impression que cette trêve, elle n'arrivera jamais. Oui, on a l'impression qu'elle n'arrivera jamais et que Benjamin Netanyahou ne la veut pas de toute façon. On sait tous, on l'a beaucoup raconté, que la guerre le maintient au pouvoir. Mais on est toujours confronté à cet argument. Il y a des bases militaires toujours dans les endroits les plus improbables. Et évidemment, le Hamas, c'est sa stratégie depuis longtemps. C'est une stratégie terrible. Il se sert des civils. Il se sert des civils. Et en même temps, le Hamas n'est pas une armée régulière. Le Hamas, c'est quelquefois deux ados avec une Kalachnikov et dans la population. Et à force de trimballer la population à droite, à gauche, et de frapper là où on a dit que ça serait un refuge, c'est terrible. Et je pense qu'il est temps de reconnaître la Palestine, je pense. Enfin, c'est un débat. Peut-être qu'il faut le faire à un moment très précis, mais il est temps d'enclencher quelque chose qui devienne politique. Il est temps de passer à de la politique. Netanyahou ne veut pas la trêve, mais il n'est pas certain que le Hamas le veuille non, aussi. Non, voilà. Oui. On revient en France avec les commémorations dont on parlait tout à l'heure du débarquement, compte provoquer encore des bouchons en Île-de-France. Bis repetita, voilà l'état, vous allez voir, de l'autoroute A6 ce matin, comme le périphérique hier, deux fois plus de bouchons que d'habitude. Il y a un côté un peu surréaliste parce qu'il y a aussi des voies du périphérique qui sont vides parce qu'il faut donner la priorité au chef d'État, comme Joe Biden, le président américain, qui a d'ailleurs repris son Air Force One pour un saut de puce aujourd'hui. C'est le même pigeon qu'hier. Il l'a fait aujourd'hui. Ça, c'est en revanche pas un pigeon, c'est le président américain. En Air Force One. Et en Air Force One, il a fait Orly-Caen aujourd'hui pour assister aux cérémonies. Et puis, il y a toujours les fermetures d'axes et de places en prévision des Jeux Olympiques. Paris est intraversable en voiture. Mais il y a une certaine égalité devant l'adversité, figurez-vous. Ces images-là, elles ont été prises par le député insoumis Éric Coquerel, qui s'insurge contre un manque d'informations selon lui. Et forcément, quand on est dans les bouchons, on arrive en retard. Et on se retrouve pour la grande interview sur CNews et sur Europe 1. Bonjour Jordan Bardella. Bonjour et désolé pour le retard. Pas de souci, les embouteillages, j'imagine. On va évoquer les premiers... Voilà, ça c'était ce matin et prévoyez déjà la même chose pour demain parce que Joe Biden doit faire un nouvel aller-retour Paris-Normandie pour aller cette fois prononcer un discours sur la pointe du Hoc. Il y aura encore Bardella sur ces... Plus que 50 jours avant les Jeux Olympiques. La flamme reste encore pour quelques heures dans l'Hexagone, je vous disais tout à l'heure Babette, avant de prendre le bateau. Mais elle reste en France, en direction des territoires français d'outre-mer. Ces derniers jours, elle était au Puy du Fou, sur un char notamment, avant un moment inédit sur le parcours. Il va se dessaisir de la torche et va s'emparer d'un autre objet. Un autre objet, la toute première demande en mariage sur un relais de la flamme, Raphaël, qui demande la main de sa fiancée, qui dit oui devant nos caméras. Il a dit oui, c'est dommage. Raphaël, c'est un des porteurs de la flamme. Parfois, il y a des anonymes. Bah là, il a demandé la main de sa fiancée, qui a donc dit oui. Il y a aussi des stars qui continuent de défiler. Christian Carambeu, par exemple, champion du monde 98, avec sa fille. Les enfants aussi, tout mignons, qui font coucou à la flamme. Ça, c'est à Lorient, dans le Morbihan. Et cette flamme, elle va partir demain sur le navire d'Armel Lecléache. Mais en fait, elle est déjà à plusieurs endroits simultanément, figurez-vous. Parce qu'avant d'aller dans les Antilles, les gardiens de la flamme sont déjà arrivés, cette fois en Guyane. Il devance le navire d'Armel Lecléache pour qu'il n'y ait aucune interruption. Mais c'est la vraie flamme ou c'est une doublure de la flamme ? C'est des petites flamèches, vous voyez, qui sont protégées. Là. On les voit à l'aéroport de Cayenne. Ce sont des lanternes, en quelque sorte, effectivement. Le département français d'Amérique du Sud qui s'est préparé à l'arrivée de la flamme avec une sorte de pré-cérémonie d'ouverture. Mais vous allez voir, ce n'est pas tout à fait la vraie flamme. Avant la vraie sur la scène à Paris, cérémonie d'ouverture, peut-être qu'il y aura Aya Nakamura. Peut-être aussi, ce que souhaiterait le président d'après le cadre enchaîné, il y réfléchit en tout cas, il voudrait réunir Aya Nakamura et Céline Dion. Il a lancé un cagnotte litchi.
C'est un peu cher, effectivement, Père Lescure. 2 700 000 euros, d'après pour les réunir les deux artistes. Ce qu'on entend, c'est Céline Dion qui chantait en 94 une reprise d'Yves Montand qui s'appelle « À Paris ». Il y a quelque chose de prémonitoire. Alors, on ne sait pas encore qui chantera « À Paris », justement, ni même qui jouera pour les Bleus au JO. Olivier Létang, le président du LOSC, refuse à son tour de libérer 3 joueurs de son équipe de Lille, alors qu'il va bientôt porter la flamme, et ça met en colère l'ancien footballeur Jérôme Rotten. Comment se fait-il que ce monsieur, en fait, le 2 juillet ou le 3 juillet, porte la flamme olympique ? Pour se mettre en avant ? Pour qu'on parle de lui ? Parce qu'à l'arrivée, tu vas contre les JO, le football. Donc dans ces cas-là, bah, qu'il soit droit dans ses bottes, qui reste chez lui et qui refuse de porter la flamme. Voilà, il joue en fait un match de Champions League, il y a beaucoup d'enjeux pour Lille. Lille joue 10 jours après un match de Champions League qui peut rapporter quasiment 70 millions d'euros au club en cas de qualification. Voilà, donc il y a un peu d'enjeu pour le LOSC. Donc ça clôt le débat ? Ça clôt pas le débat, mais en tout cas, ça permet de le nuancer et de nuancer la réponse. De merci. Jérôme Rotten. Alors, figurez-vous que non seulement il y a les 3 joueurs lillois qui, pour l'instant, n'ont pas de ticket de sortie pour aller au jeu, il y a Kylian Mbappé aussi, le nouveau joueur du Real Madrid, Thierry Henry, sélectionneur des Bleus sur ces jeux, bah, il résume bien la situation. En fait, il n'y a pas de discussion. C'est justement ça. Tu viens, tu demandes, on te dit non et tu repars. Non, c'est surtout pas marrant, mais la dernière fois que j'ai pris autant de rejets, j'étais au collège. Voilà, il se fait rejeter comme au collège, tout sport confondu. Il reste philosophe, mais il est un peu dégoûté, quoi. Ah oui, 151 athlètes français, hein, pour l'instant qualifiés pour les Jeux. Je veux bien qu'ils sélectionnent, quoi, mais. Il y aura Antoine Dupont au 7. Oui, ouais, rugby. Au rugby, pas au rugby. Voilà. Oui. À moins qu'ils se mettent au foot. Au foot, c'est les stars, les patrons. Ouais. Oh, c'est à vous aussi, pardon. J'en ai pour vous. On parle d'une application qui rend fou les profs. Une application qui s'appelle Tenten. Je ne sais pas si vous connaissez. C'est une application qui transforme en quelque sorte votre téléphone en talkie-walkie. Bertrand pour Laurent, est-ce que tu me reçois ? Ah bah là, justement, c'est Bertrand Chamerois qui me parle en direct. Bertrand pour Laurent. Ça ne m'étonne pas de lui qu'il ait téléchargé cette application qui vient de nous gêner en plein direct. Mais imaginez-vous maintenant dans une salle de classe. Les gars, il n'y a pas si longtemps que ça, j'ai installé l'application Tenten. N'allez jamais en cours avec votre téléphone si l'application est installée. Hier, j'avais un contrôle, ok ? Donc, qui dit contrôle dit grand silence dans la classe. Et comme par hasard, pendant ce silence, il y a un de mes potes qui est en train de me parler sur Tenten. Quand ton pote il te parle sur Tenten, le son il est archi fort. C'est vraiment trop dangereux. En fait, je pense vraiment que vous vous en rendez pas compte de la gravité des risques qu'il y a avec Tenten. Dites-vous vraiment qu'il y a un pote à moi qui s'est fait exclure de cours à cause de Tenten, les gars. On s'en rend compte ou pas ? Et les collégiens, évidemment, bah, ils adorent. En cours, souvent qu'on a fini avant, bah on s'amuse à crier pour que tout le monde entende. Des gros gémissements pour que ce soit bien gênant. J'ai des potes qui m'ont déjà qui me l'ont fait hyper fort et j'arrivais pas à éteindre mon téléphone et les profs ils commençaient à péter un câble et tout, mais c'est drôle en vrai. J'étais en français et j'avais mon téléphone dans ma poche et ma copine elle commence à crier, j'essaie de couper tout ça, je commence à taper mon téléphone, tout, je savais pas quoi faire. Et bah du coup au final je me suis fait exclure et je me suis retrouvée dans le bureau de la directrice hier. Voilà. L'application Tenten, c'est qui embête vraiment tout le monde en classe. Casse-tête pour les professeurs. C'est le téléphone, mais y a pas, ça ne sonne plus. Vous et pouvez rien vous faire. Il y a des gens qui téléchargent ça. Il parle. On peut se faire embêter tout le temps. Bon. Bertrand. Bon, ça ne marche pas du tout. Bon, merci beaucoup à tous les deux d'avoir accepté notre invitation. Dans un instant, Marjane Satrapi, Monica Bellucci, Emma Peters, Simonetta Greggio, Pierre Lescure, son œil, les rats d'auteur, Bertrand Chamerois, ses actualités. Le dîner, c'est à vous. A tout de suite, on est en direct à 21h. Je vais plus rater le dessin.